Approcher la nature sauvage, observer tigres et jaguars dans leur quotidien n'est pas donné à tout le monde. Voici une offre que vous ne trouverez certainement pas à Pôle emploi. Cherche soigneur pour félins, pas sérieux s'abstenir. Car ici, au zoo de Pessac, on compte 250 animaux sur 5 hectares, mais ces prédateurs nécessitent forcément des compétences particulières. Le zoo de Pessac est de nouveau sur une pente ascendante de développement, de fort développement. On fait des nouveautés tous les ans, notamment avec les grands félins. On a construit notre enclos à jaguars en 2017. On fait des lodges sur les enclos des jaguars et des tigres. Et donc, on a besoin de gens compétents. Un soigneur qui sort d'école de soigneur animalier, qui est une bonne formation, n'est pas suffisant. Nous avons besoin de gens qui sont expérimentés pour diriger les gens qui commencent et qui ont besoin d'apprendre sur le tas. Parmi les 9 soigneurs, Anthony est l'un de ses spécialistes. Il entre ici chez les jaguars et doit respecter un protocole de sécurité, notamment informer ses collègues à l'entrée comme à la sortie. On fait toujours attention à tout. On ne s'approche jamais des grilles, on ne touche jamais les animaux, on ne passe pas les mains à travers, c'est des carnivores stricts. S'ils ont la possibilité de nous croquer un doigt, une jambe ou de nous tuer, ils le feront sans aucune hésitation. Entre respect et fascination, soigneur est avant tout un métier de passion. J'ai eu la chance depuis quelques années de me spécialiser entre guillemets sur les grands carnivores et c'est vraiment un réel plaisir de les avoir à proximité, même si on ne peut pas leur faire des câlins, on ne peut pas leur faire des gratouilles. On est sur des animaux sauvages et il faut bien en être conscient quand on fait ce travail. Une passion à partager également avec les visiteurs lors d'animations. Le poste est à pourvoir dès le mois de novembre.